abonnés. Alors voilà, pour la première fois, je vous fais une petite vidéo comme ça en face-to-face, parce que j'ai décidé que dorénavant, j'allais essayer de vous proposer des tout petits modules comme ça. Ce serait des petits modules que j'ai appelés Breaking News, des petits modules de news comme ça, qui permettraient de m'adresser directement à vous, voilà, quand j'aurai envie de vous parler éventuellement de l'avenir de la chaîne ou des petites choses, voilà, qui vont changer plutôt que de faire des vidéos en off. Eh ben, j'ai décidé que je vous montrerais ma tronche, en fait. Donc, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu avant, bah, j'espère que vous ne serez pas déçus. Voilà. Voilà à quoi je ressemble. Voilà. J'aurais pu faire la vidéo avec un masque. Je ne l'ai pas fait parce que j'aurais trouvé ça un petit peu ridicule étant donné que je ne suis pas encore un Anonymous. Mais du coup, voilà, je m'adresse à vous parce que j'avais envie de vous dire que la chaîne évolue. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées qui me viennent à l'esprit. J'ai envie de faire beaucoup de nouvelles choses. J'ai envie de varier les contenus. Alors les tests que je fais actuellement resteront toujours sur la chaîne. Ce sera toujours la base, hein. Je continuerai toujours à vous faire des tests de jeux vidéo parce que c'est ce que je préfère faire. Bien que je vais essayer quand même de les faire évoluer parce que techniquement je suis pas toujours satisfait de ce qui est proposé au niveau du son, au niveau du rythme, au niveau du montage. Des fois je trouve ça un petit peu pas encore assez qualitatif, donc je vais continuer à bosser là-dessus. Par contre, j'avais envie de vous proposer des nouveaux contenus. Dans l'esprit, je pourrais faire des vidéos, alors toujours à ma sauce, hein, mais des vidéos par exemple, vous présenter mes tops. Alors pas comme tout le monde le fait, évidemment, je ferai ça un petit peu à ma façon parce que j'ai pas envie de vous proposer la même chose que tout le monde. Mais par exemple, mon top 3 PC Engine Shoot'em Up, et je vous dirai pourquoi. J'ai envie de vous proposer des vidéos peut-être aussi un petit peu plus... Comment dire, un petit peu intimiste, genre confession intime, ça pourrait être des jeux qui évoqueraient quelque chose pour moi. Donc je vous présenterai toujours avec le jeu en fond, hein, ça restera toujours la façon de faire. Mais vous évoquez, plutôt que de vous parler du développeur, du jeu, du gameplay, vous évoquez mon histoire avec ce jeu. Ce qu'il a représenté pour moi, pourquoi ce jeu-là, qu'est-ce qui a fait que ce jeu m'a marqué profondément. Donc ce serait plutôt des vidéos centrées sur mon expérience avec le jeu. Je pourrais aussi éventuellement, j'ai très envie de vous proposer des contenus éventuellement où je pourrais aller par exemple à la rencontre de quelqu'un, donc que ce soit un anonyme, un collectionneur par exemple. Alors le problème, voilà, c'est que il y a très longtemps j'avais envie de faire ce genre de vidéo et depuis ça a été fait malheureusement par des gens bien plus connus que moi. Du coup, c'est toujours compliqué de faire des vidéos qui ont déjà été faites, surtout par des gens connus, parce que il y a toujours le côté « il a copié ». Alors, j'essaierai de vous le faire, mais d'une façon différente. Je pourrais également vous proposer des contenus, aller à la rencontre de personnalités. Ceux qui me connaissent savent que je fais partie d'une association qui s'appelle Games & Co. et qui organise souvent des conventions dans le milieu du jeu vidéo, des choses comme ça, avec des personnalités. Je pourrais éventuellement imaginer faire des vlogs sur ce genre d'événement et mettre en avant ce que l'association propose. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires aussi, à m'en suggérer. Je garderai peut-être pas tout. J'en remodellerai sûrement certaines. Si je garde vos idées, je les remodellerai parce qu'il faut que ça me plaise aussi à moi. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire aussi, vous, ce que vous voulez voir peut-être éventuellement sur la chaîne. Ça peut être sympa. Donc voilà, c'est des vidéos où je m'adresserai directement à vous, elles dureront pas des heures, hein. C'est des vidéos de moins de 5 minutes à tout casser, mais voilà, c'était pour vous avertir qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés sur la chaîne, que j'y travaille, et que du coup je trouvais ça sympa aussi, voilà, de vous faire des petites vidéos en face-to-face. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à ciao, à plus !